Tient désormais les commandes du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ce cadre du département de l'enseignement général, né le 31 octobre 1964 à Dolizy, dans le département du Niari, Jean-Luc Monto qui a marqué les premiers pas de ses études supérieures, à l'Université Marien de Brazzaville est détenteur d'un doctorat unique de géographie obtenu en 1996 à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Talence en France après avoir décroché sa maîtrise en géographie urbaine à l'Université Paris 12 Val de Marne en 1991 ainsi qu'un DEA diplôme d'études approfondies en 1992 à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Talence en France. Enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université marien et maître assistant Kames, cet homme de terrain, comme son prédécesseur, a exercé plusieurs fonctions dans les secteurs de l'enseignement, de la jeunesse et de l'éducation civique. En 2011, il occupe le poste de conseiller à la jeunesse du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. En 2014, il assure l'intérim du directeur du cabinet du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique avant d'être nommé en 2016 conseiller à l'enseignement secondaire. Il est plusieurs fois directeur de cabinet par intérim du ministre de l'enseignement primaire secondaire et de l'alphabétisation en 2017. Son assiduité et son dynamisme lui valent le poste de directeur général de l'enseignement secondaire en 2018. Poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination le 15 mai dernier à l'orée des différents examens d'État, à la tête du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Un ministère assez sensible, l'école étant au cœur des préoccupations de tous. La responsabilité est certes lourde, mais ce père de six enfants reste plutôt confiant et serein.